Imaginez pouvoir entrer dans une pièce bondée, entourée par la cacophonie des émotions qui accompagnent les relations humaines. Et pourtant, restez intact face à la turbulence. Vous n'êtes pas seulement un observateur silencieux, mais un maître de la résonance émotionnelle, accordé aux désirs, peurs et joies les plus profonds de ceux qui vous entourent. Vous êtes un empath sigma, un individu rare et extraordinaire doté du don de l'intuition émotionnelle. Mais avec cette capacité incroyable, vient un ensemble unique de défis. Vous n'êtes pas seulement une éponge pour les émotions, mais un aimant, attirant les sentiments des autres comme un papillon de nuit vers une flamme. Vous ressentez le poids du monde sur vos épaules, le bagage émotionnel collectif de ceux qui vous entourent, et cela peut être accablant. Vous vous demandez « Comment puis-je me protéger du chaos émotionnel qui m'entoure, sans sacrifier ma capacité à me connecter aux autres ?» Aujourd'hui, je vais partager un secret avec vous, une technique puissante qui vous permettra de maîtriser vos capacités empathiques sans vous perdre dans le processus. Vous apprendrez à protéger votre énergie, à naviguer dans les courants émotionnels de ceux qui vous entourent et à en ressortir plus fort, plus résilient et plus compatissant. Alors, si vous êtes prêt à débloquer tout le potentiel de vos capacités d'empathie sigma, et à protéger votre énergie au cours du processus, plongeons ensemble et découvrons le secret pour prospérer en tant qu'empathie sigma. Numéro 1. L'importance des frontières énergétiques. Vivre en tant qu'empathie sigma peut parfois donner l'impression de marcher à travers une tempête d'émotions. Vous pouvez vous retrouver dans des endroits bondés ou même dans des conversations où vous commencez à ressentir les émotions des autres comme si elles étaient des vôtres. Par exemple, vous pouvez entrer dans une pièce et soudainement ressentir une vague de tristesse, d'anxiété ou de joie, même si vous êtes arrivé avec vos propres sentiments. Cela peut être désorientant, rendant difficile de distinguer ce qui est vraiment à vous et ce que vous avez absorbé des autres. Imaginez être à un événement social où les émotions de tout le monde sont à leur comble. Vous pouvez ressentir un mélange d'excitation, de stress et de tristesse, tous se mélangeant, et il devient difficile de déterminer quelles émotions sont les vôtres et lesquelles appartiennent aux personnes autour de vous. Cette absorption constante peut vous laisser épuisé et même confus quant à vos propres sentiments. C'est comme être dans une mer d'émotions sans canot de sauvetage. C'est là que les frontières énergétiques entrent en jeu. Tout comme un canot de sauvetage vous maintient à flot dans des mers agitées, des frontières énergétiques solides vous aident à rester ancré et à maintenir votre propre sens de soi au milieu de la turbulence émotionnelle. Créer ces frontières ne consiste pas à vous couper des autres, mais à protéger votre bien-être afin que vous puissiez interagir avec le monde sans être submergé. Une façon efficace de définir ces frontières est par la visualisation. Imaginez une barrière protectrice entourant tout votre champ énergétique, un bouclier de lumière ou une bulle douce qui sépare vos émotions de celles des autres. Chaque fois que vous entrez dans un environnement chargé émotionnellement, imaginez ce bouclier se renforcer, vous permettant de maintenir votre individualité et de rester centré. Vous n'avez pas besoin de bloquer consciemment les autres. Au lieu de cela, cette barrière vous aide à rester connecté sans absorber tout ce qui vous entoure. En pratiquant régulièrement cette visualisation, vous trouverez plus facile de maintenir votre équilibre émotionnel et de vous empêcher d'être submergé. Rappelez-vous, établir des frontières énergétiques est une partie essentielle des soins personnels pour les empathes sigma. Cela vous aide à préserver votre énergie et à vous assurer que vous pouvez continuer à utiliser votre don de manière saine et durable. 2. Guérir l'enfant intérieur. Imaginez votre enfant intérieur comme une petite version tendre de vous-même, pleine d'émerveillement et d'émotion. Cet enfant intérieur porte les échos de vos premières expériences, à la fois joyeuses et douloureuses. Pour les empathes sigma,
Ces premières expériences influencent profondément la façon dont ils se connectent aux autres et gèrent leur propre énergie. Si vous avez fait face à l'abandon ou à la négligence émotionnelle dans votre enfance, vous pouvez vous retrouver trop sensible aux sentiments des autres, luttant souvent pour séparer vos propres émotions de celles qui vous entourent. Les blessures non résolues de l'enfance peuvent laisser les empathes sigma se sentir exposés et submergés par les courants émotionnels. Ces expériences peuvent vous amener à absorber trop d'énergie des autres, vous laissant épuisé et vulnérable. Reconnaître cette connexion est la première étape pour guérir et protéger votre énergie. Guérir votre enfant intérieur implique quelques pratiques douces mais puissantes. Une méthode efficace est la visualisation. Trouvez un endroit calme, fermez les yeux et imaginez rencontrer votre jeune moi. Offrez-lui l'amour et le confort qu'il a peut-être manqué. Dites-lui qu'il est en sécurité, valorisé et aimé. Cet acte simple peut aider à guérir les vieilles blessures et à renforcer votre estime de soi. La méditation est un autre outil qui peut aider. Asseyez-vous tranquillement et concentrez-vous sur votre respiration. En respirant profondément, imaginez une lumière chaude vous entourant, vous et votre enfant intérieur. Cette lumière représente la protection et la guérison, aidant à nettoyer et équilibrer votre énergie. Se connecter avec des archétypes universels comme la Mère divine et le Père divin peut également fournir un soutien émotionnel. Visualisez ces figures comme des sources d'amour inconditionnel et de stabilité, comblant les lacunes laissées par vos premières expériences. De plus, les techniques de mise à la terre peuvent être incroyablement bénéfiques. Passer du temps dans la nature, marcher pieds nus sur l'herbe, ou utiliser la visualisation pour imaginer des racines s'étendant de vos pieds dans la terre. Ces pratiques aident à stabiliser votre énergie et à vous connecter à une force nourrissante et ancrante. Des rituels réguliers de purification de l'énergie, tels que la méditation ou l'utilisation de cristaux, peuvent également aider à éliminer toute énergie négative ou stagnante que vous avez pu absorber. En incorporant ces pratiques dans votre routine, vous pouvez mieux gérer votre énergie, vous protéger de la surcharge émotionnelle et avancer avec un sens de soi plus fort et plus équilibré. Trois, le secret pour protéger votre énergie. Alors, quel est le secret pour protéger votre énergie en tant qu'empathie sigma? Ce n'est pas une seule chose, mais un mélange de plusieurs pratiques essentielles qui, combinées, créent un bouclier puissant autour de votre bien-être émotionnel. La véritable clé réside dans la compréhension de vos dynamiques énergétiques, l'établissement de frontières claires et la guérison de votre enfant intérieur. Chacun de ces éléments travaille ensemble pour vous aider à gérer et protéger votre nature sensible. En reconnaissant comment vos capacités empathiques interagissent avec votre énergie, vous pouvez commencer à établir des frontières qui vous empêchent d'être submergé. Établir ces frontières, c'est comme tracer une ligne dans le sable qui maintient à distance les énergies négatives ou épuisantes. Guérir votre enfant intérieur ajoute une autre couche de protection, garantissant que les vieilles blessures ne continuent pas à drainer votre énergie. Lorsque vous utilisez la visualisation, les techniques de mise à la terre et la méditation, vous créez une approche holistique qui renforce vos défenses et maintient votre énergie intacte. Il est maintenant temps pour vous de mettre ces pratiques en action. Commencez par incorporer des exercices simples de mise à la terre et des techniques de visualisation dans votre routine quotidienne. Connectez-vous à votre enfant intérieur par la méditation et permettez-vous l'espace pour guérir les vieilles blessures. Établir des frontières claires avec les autres vous aidera à maintenir votre énergie et à éviter l'épuisement. Être un empathie sigma est vraiment un don remarquable. Votre capacité à comprendre profondément et à vous connecter aux émotions des autres est inestimable, mais elle exige une gestion attentive pour éviter l'épuisement émotionnel. En protégeant votre énergie,
Grâce aux pratiques que nous avons discutées, établir des frontières, guérir votre enfant intérieur et utiliser des techniques de mise à la terre, vous pouvez continuer à offrir votre soutien unique au monde sans sacrifier votre propre bien-être. Avant de continuer, si ces idées vous ont plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. 4. Comprendre l'empathie Sigma. Imaginez entrer dans une pièce pleine de gens, et dès que vous entrez, vous ressentez immédiatement les émotions sous-jacentes. Peut-être que quelqu'un est anxieux, un autre est joyeux, et quelqu'un d'autre pourrait cacher sa tristesse derrière un sourire. Vous ne voyez pas seulement ces émotions, vous les ressentez comme si elles étaient les vôtres. C'est ce que signifie être un empathie Sigma. Vous n'êtes pas seulement un observateur passif du monde émotionnel. Vous y êtes profondément connecté d'une manière que la plupart des gens ne peuvent même pas commencer à comprendre. Cette capacité à ressentir et à comprendre les émotions des autres est ce qui rend les empathes Sigma si extraordinaires. C'est comme si vous aviez un radar émotionnel qui vous permet de vous syntoniser sur les fréquences de ceux qui vous entourent. Cela peut créer des connexions profondes et significatives parce que les gens se sentent vus et compris par vous, souvent sans que vous ayez même besoin de dire un mot. Votre simple présence peut apporter du réconfort aux autres, et c'est un don vraiment puissant. Mais voici le problème, ce don a un coût. Alors que votre sensibilité vous permet de vous connecter profondément avec les autres, elle peut aussi devenir accablante. Vous êtes comme une éponge, absorbant les émotions et l'énergie de tout le monde autour de vous. Et cela peut vous laisser épuisé, anxieux ou même perdu dans le tumulte émotionnel des autres. C'est le double tranchant d'être un empathie Sigma. D'une part, vous avez cette capacité incroyable à comprendre et à soutenir ceux qui vous entourent. Mais d'autre part, vous êtes constamment à risque d'épuisement émotionnel. C'est pourquoi il est si important de protéger votre énergie. Vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Et en tant qu'empathie Sigma, vous devez d'abord prendre soin de vous. En apprenant à gérer et à protéger votre énergie, vous pouvez continuer à utiliser votre don sans vous sentir submergé. Il ne s'agit pas de couper votre empathie. Il s'agit de trouver un équilibre. Lorsque vous protégez votre énergie, vous ne vous aidez pas seulement vous-même, vous vous assurez également de pouvoir continuer à être ce phare de réconfort et de soutien pour les autres sans vous épuiser dans le processus. Rappelez-vous, protéger votre énergie ne signifie pas vous isoler. Cela signifie créer un équilibre qui vous permet de prospérer à la fois personnellement et dans vos relations. Avec ces outils, vous pouvez transformer votre empathie en une source de force et de résilience, en vous assurant que votre don serve à la fois vous-même et ceux qui vous entourent de manière saine et épanouissante. Un immense merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous trouvez ces idées intéressantes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de partager vos réflexions dans la section des commentaires.